Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle analyse de séquence. Et aujourd'hui, comme promis, La Belle au Bois Dormant, un film de 1959, je vous analyse la séquence du fuseau. Où Aurore, hypnotisée, monte dans la tour jusqu'à apparaître devant un fuseau magique qui va la faire tomber dans un profond sommeil. C'est une analyse courte, hein, mais j'analyse la mise en scène, un peu le suspense, comment ça se dégage, mais je pense que si vous regardez mes analyses, vous savez un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, et aussi quelques petits problèmes ou astuces liés à l'animation, soulevé par l'animation de cette séquence. C'est assez simple, vous avez l'analyse dans la description de la vidéo, puisque, bien entendu, vous le savez, c'est un film de Disney qui a les droits dessus. Je peux pas mettre l'analyse sur YouTube, donc je la sécurise à travers un lien présent dans la description, un lien sûrement Rutube, parce que Rutube est plus modéré, on va dire, au niveau du scanner des droits d'auteur. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à commenter, j'y reviens juste après, à faire des retours sur la vidéo, sur l'analyse. Moi, ça me fait de toute façon très plaisir de parler avec vous de certains éléments, peut-être que j'ai oublié ou qui vous semblent pas clairs ou que vous voulez affiner avec moi. N'hésitez surtout pas. Je dis que je reviendrai sur les commentaires parce que j'ai une excellente réflexion de Kikou Eric, un nom qui veut tout dire. Non, mais une très bonne question, plus une réflexion, la difficulté qu'ont certaines personnes qui ont des tablettes et qui rament, donc les tablettes, voilà, enfin moi j'ai pas de tablette, hein, donc je peux pas vous dire, mais voilà, qui aurait peut-être une connexion qui rame un petit peu, donc il devrait couper l'onglet YouTube pour regarder la vidéo sur YouTube et après revenir sur ma chaîne pour remettre un commentaire sur la vidéo. Donc peut-être une opération un petit peu compliquée, mais voilà, il disait que si je pouvais trouver un système pour mettre sur YouTube les choses, j'aurais peut-être plus de retours. Dans un sens, c'est vrai, mais les gens qui veulent... Je réponds à cette interrogation, à cette réflexion, parce que je la trouvais très juste et j'avais envie aussi d'en parler. Le fait est que si les personnes veulent vraiment poster quelque chose, eh bien, ils feront la démarche de revenir vers la vidéo. Moi, je n'hésite pas une seule seconde. Des fois, je télécharge la vidéo qui provient d'une chaîne X, des fois une chaîne que j'ai même pas en abonnement. Si j'ai vraiment un truc super intéressant à dire ou simplement que j'ai envie aussi de soutenir la personne, je reviens sur la vidéo, hein. Il n'y a aucun souci, je suis pas pressé. Les personnes qui sont pas pressées, déjà que les vidéos durent voilà une vingtaine de minutes de mon côté, voire même plus pour certaines analyses, les mecs, mais je pense ceux qui ont vraiment envie de poster, ils reviennent sur la vidéo sans problème. Et comme ça, ça épure aussi entre les gens qui regardent la vidéo comme ça, les gens qui regardent, qui commencent à regarder et qui se disent « Oh non, c'est français, on se barre », parce que moi, je le vois très bien dans les statistiques. Il y a des vidéos, par exemple, il y a certaines critiques, le temps moyen de regard sur la critique, c'est 50 secondes. C'est sur les vidéos pirates, hein, les films X, donc non seulement que c'est français, mais il n'y aura pas de truc de cul, les mecs ils se barrent tout de suite. Et ça, on peut l'étendre même à toutes les vidéos. Les gens se rendent compte que voilà, c'est du podcast, qu'il n'y aura pas de vidéo, il y aura juste un diaporama, les mecs ils se barrent. Et c'est ceux qui ont vraiment l'intérêt qui regardent la vidéo. Donc je pense aussi que pour l'analyse, les gens qui ont vraiment l'intérêt à regarder l'analyse, qui veulent dire quelque chose par la suite, ils reviennent sur la vidéo. Je pense que c'est une démarche totale en fait. Et je salue les gens qui ont les démarches totales aussi, ne serait-ce que pour dire « Merci, c'était super, j'ai appris des choses et tout ça ». C'est, voilà, enfin, quand on veut, on peut, tout simplement. Mais oui, mais c'est vrai que c'est un gros problème, que moi, je voudrais trouver un système pour éviter ça. J'ai quand même envie de laisser la proposition d'une vidéo sur la plateforme, quelle que soit la plateforme, et non pas un lien à télécharger, parce qu'alors là, les gens sur portable et sur tablette seraient peut-être un peu emmerdés. Si j'avais juste un fichier méga, par exemple, à télécharger. Là, ça leur poserait peut-être plus de problèmes que regarder la vidéo en ligne. Ça, dites-moi, par rapport à ce que je dis là. Je vois très bien sur les statistiques qu'il y a beaucoup de gens qui regardent sur tablette ou mobile ou des choses comme ça. Moi, j'ai jamais eu ce genre de technologie. Donc, pour moi, les gens, ils regardent encore sur leur PC, mais ce n'est plus le cas. Les gens regardent sur leur console, sur leur tablette. Voilà, il y a plein de moyens de diffusion, de médiation et de lecture maintenant. Des choses que j'ai tendance à oublier, parce que je ne suis pas trop dans ces technologies-là. J'ai pas envie de dépenser de l'argent dessus. Je veux un gros, bon, vieux PC, et puis voilà. Mais oui, donc,
il faut faire aussi avec ça et proposer le contenu. Alors bien sûr, mettre sur YouTube directement l'analyse, mais c'est du suicide. Moi j'ai trop peur de ça, j'ai trop peur de me faire péter la chaîne tout de suite. Je l'ai recommencé plusieurs fois, sachez-le. Hein. Pour moi c'est nécessaire dans la démarche d'analyse que vous regardiez la séquence, peut-être même seulement une partie, un fragment, le fragment le plus important, sans commentaire. Pour que vous puissiez ressentir pleinement les choses et après que j'aborde la scène. Donc je suis obligé de mettre, je me sens obligé en fait, de mettre la scène dans l'analyse, sans commentaire. Donc ça bien sûr c'est du pur extrait. Parce que quand on voit certaines vidéos de critiques ou des choses comme ça, je pense au Fossoyeur ou je pense à Durandal, c'est des gens qui enlèvent le son de la vidéo, voire même qui font peut-être un traitement pour pas se faire repérer, ou plein d'autres personnes qui floutent et ils font un surcadrage et des choses comme ça, ils penchent un petit peu la vidéo, des choses comme ça. Mais alors moi je veux pas faire ça quand je fais de l'analyse quoi. Je veux que la vidéo soit vraiment comme je le souhaite, enfin autant que je le souhaite on va dire. Donc ce genre de pratique, moi je préfère limite vous proposer un lien méga que faire des tellement de compromis. Hein, J'en fais déjà dans la critique et ça me fait chier, je veux pas en commencer à en faire pour l'analyse. Alors ça, vous pouvez toujours courir. J'aurais l'alternative de trouver un network ou des choses comme ça, mais ça c'est branlant ça, cette affaire. Et imaginez seulement qu'à un moment le network il met fin au contrat, dans la seconde même où je termine le contrat, je ne suis plus Je suis à découvert, je suis tout nu, je n'ai plus d'armure contre les scanners, et là je me ferai aligner la chaîne directement fermée. Alors, c'est pas ce que je veux. Donc pour moi les networks c'est bien un temps, mais je dois, enfin c'est dangereux aussi. Hein. Donc bon, le statut actuel de ma chaîne c'est pour l'instant correct. Même vous le sentez par rapport au choix de film ou on va dire à la ligne directrice, façon de parler, hein, la ligne directrice de la chaîne, je suis pas là pour faire des tonnes de vues, hein. Je pense que je ferai des tonnes de vues, mais à la longue. C'est-à-dire que j'aurais fait 300, 400, 500 vidéos. Là, ça aura vraiment du poids et il y aurait beaucoup de gens qui iront voir. Surtout si je garde aussi cette expertise de recherche et que j'essaye de vraiment de vous donner beaucoup, beaucoup d'informations, de trier, d'aller voir les critiques US aussi. Les gens ne font jamais ça pour la plupart des films américains. Je vais voir ce que disent les anglo-saxons, le site de Roger Ebert qui est très très bien, qui continue. Il y a d'autres personnes qui font des critiques sur ce site-là qui est superbe. Voilà, des critiques américains, des analyses américaines aussi. Every Frame a Painting. Je crois que ça a été relayé chez Antoine Daniel, je suis plus sûr, mais c'est une excellente chaîne d'analyse anglaise animée par Tony Zhu. Vraiment, il y a des choses intéressantes sur la chaîne, mais ce ne sont pas du tout des choses qui sont conventionnelles et qui sont mainstream. Il y a un peu de mainstream, mais franchement, moi j'en ai rien à foutre. Hein. Je fais selon mes envies. Mais aussi par rapport à, une diversité que je veux montrer sur la chaîne. Alors, il y a bien sûr des choses que vous ne verrez pas souvent, ou très 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 peu, genre le cinéma moderne. Ça, c'est pas trop ma tasse de thé, mais il n'y a pas de mal à ça. Je le reconnais totalement. Je reconnais mes lacunes, voilà. Et vous aurez très très peu de vidéos sur le cinéma moderne. J'ai quelques machins en stock, mais c'est précieux, voilà. Je vous le posterai, ce sont des analyses, je vous les posterai en temps voulu. Mais oui, je voulais absolument parler de ça parce que c'est vrai que c'est un petit problème, mais je trouve que la stabilité, pour l'instant, tient la route sur la chaîne. Donc c'est très bien de me l'avoir mis en valeur, j'en suis totalement conscient de ces petits problèmes, mais bon, on fait comme on peut. Hein. J'espère que ça handicape pas trop la lecture. C'est vraiment très étrange quand même de faire une vidéo d'annonce vers une autre vidéo. Mais pour l'instant, c'est le système le plus stable que j'ai trouvé pour vous proposer une vidéo sans compromis de lecture. Voilà, voilà. J'espère que ça a été clair. Je vous remercie d'avoir vu cette analyse. Je vous remercie pour vos commentaires, vos futurs commentaires. Voilà, vraiment, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, pour un film très violent, un vieux film des années 60. Voilà, à la semaine prochaine, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut !